je te rends ici, je te fume. Non, vas-y, barre-toi. C'est bon. N'oublie pas d'employer la force. C'est bon, je m'en vais. Salut l'équipe, c'est Mikalash et aujourd'hui on va piéger un genre de dealer qui en plus de pratiquer une activité peu recommandable, apparemment escroque les gens en leur vendant de la fausse marchandise. Mais juste avant que la vidéo commence, laissez-moi vous parler 30 petites secondes de l'application TikTok qui sponsorait cette vidéo. D'ailleurs merci à eux, ça permet en partie de contribuer à cette vidéo et ça me permettra aussi par la suite de réinvestir dans d'autres vidéos, voire dans du matériel. Du coup voilà, cette application TikTok, vous la connaissez déjà très certainement pour la plupart d'entre vous. Elle a des millions de téléchargements, il y a des millions d'utilisateurs au quotidien dessus. C'est devenu limite une application un petit peu incontournable. Donc si vous voulez la télécharger, je vous mettrai un lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Surtout que l'avantage c'est que cette application elle est 100% gratuite. Personnellement j'ai moi-même pris goût au final, je me suis moi-même créé un compte dessus. Si vous voulez me rejoindre, vous avez juste à télécharger l'application et à taper MikalashYTB, normalement vous me trouverez sans souci. Voilà, dessus j'y poste des vidéos un petit peu différentes de ce que je poste sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation, on peut repasser directement au contenu de la vidéo. Bon, pour en revenir à la vidéo, comme j'étais en train de vous dire, du coup un abonné m'a contacté pour me dire qu'il était apparemment tombé sur une personne qui revendrait des produits illicites. Bon voilà, je pense que vous comprenez de quoi je veux parler, pas besoin de vous faire un dessin. En plus de ça, apparemment, en fait, la personne ne revendrait pas vraiment ce qu'il promet, mais à la place, il mettrait des produits beaucoup moins coûteux qui n'ont rien à voir avec ce que la personne penserait acheter. Voilà, sachez que je ne fais absolument pas l'apologie de ce genre de choses et je vous déconseille fortement pour votre santé ou même au niveau de la loi de fréquenter ce genre de milieu. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, je ne juge personne. Du coup, je vais aller piéger cette personne que j'ai pu repérer grâce au signalement de l'abonné. Juste avant que la vidéo commence, vous pouvez laisser un petit like si elle vous plaît, comme vous savez, c'est totalement gratuit, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci aussi à ceux qui s'abonneront à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Et sur ce, je vous mets une petite coupure et on se retrouve directement avec le moment où je vais à la rencontre de ce fameux individu. Oh frère, bien ou quoi? Ça va le sang de la veine? Je prends ton sang de la veine. Ça ma gueule. Je prends ta gueule. Mais si t'as frère. Non, non, c'est une façon de parler. Ferme-moi. Comme ça dans le quartier, frère. Je prends le quartier ici, moi. Non, je sais, mais t'as vu, on... Du quartier, c'est du quartier. Tu t'es l'homme du quartier, toi? Prends ton avis, non. Prends ton quartier, frère. Arrête de... Oh, je prends ton frère. T'as pas, on t'attend au quartier, là? Oh, oh. Non, désolé, je sais, là. Excuse-toi plusieurs fois, parce que moi, avec moi, je fais pas le fou avec moi. Non, je fais pas le fou, c'est juste. Moi, je te démarre, moi. Tu me démarres, moi. Moi, je te démarre, moi. Tu... on se casse la tête, là, si tu veux. Moi, tu me démarres, moi. Moi, je te démarre. Moi, tu me démarres, moi. Moi, tu me démarres, moi. Arrête de parler comme ça, ouais. Non, mais frère, parce qu'en fait, genre, t'as vu, genre, tu veux me démarrer. Vas-y, je vais me calmer, parce que. Tu veux me démarrer. Moi, j'ai mon scooter, il est en panne, t'as vu. Donc, si tu veux me démarrer, genre, tu peux m'aider. Tu peux me prendre ce service. Vas-y, t'es venu faire quoi, ici? T'es venu faire quoi, dis-moi. Je suis venu. Bon, on va pas parler chinois. Wow. Non frère, okay. Je sais pas, tu me fasses remarquer. Toi tu me fais remarquer, tu me fais crier, tu vas m'énerver. Ah mais c'est... T'es... Vas-y, approche-toi, parle doucement. C'est doucement, va doucement. Va direct dans le but. Tu vends ou pas? Oui, je vends. Moi je suis venu pour acheter, on m'a envoyé vers ton contact, on m'a dit que t'étais vers là et tout. Ouais, c'est bon, fais-toi discret, si on t'envoie moi, fais-toi discret. Ouais, désolé, après tu connais, genre moi j'ai besoin de ma dose et tout, je suis un peu sur les... Voilà, donc tu veux combien? Moi je viens t'acheter. Moi je viens t'acheter du miel. Je suis malade encore. Non, 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 je viens t'acheter du miel. Quoi, je vois pas dans ta tête. Du miel. Arrête de me parler comme ça, je vends pas de miel moi. Et un étendoir. Arrête de te foutre de ma gueule. Je vends pas de ta gueule. Je vends pas du miel ni des endroits. Tu vends quoi? Je vends de la. T'as besoin d'un mouchoir frère? Arrête de te foutre de ma gueule. Moi j'en. Ah tu veux. Non, moi je veux pas acheter de mouchoir. Du miel et un étendoir. Je vends pas de miel! Oh frère, arrête de crier! Tu t'as remarqué par. T'es con ou quoi? Arrête de m'insulter de parce que toi et moi on va vraiment se. Ça donne. Mais gros, tu me dis ouais, en discret, je sais pas quoi, tu gueules de partout. Est-ce que tu me comprends? Bon, vas-y, je vends pas du miel. Tu vends du miel, tu vends à Carrefour. Ah, tu vends du. Voilà. Du désodorisant. Vas-y, fais vite, j'ai pas ton temps. Si tu veux pas que je m'énerve, ta vie elle va se finir aujourd'hui, ta vie. Ah, non, frérot, je. Désolé, j'ai confondu, j'ai cru que j'étais à l'épicerie et tout. Je t'ai dit, j'ai besoin. Moi j'ai besoin de la. De la. Voilà, la bonne. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est de la bonne. C'est la bonne. Ouais. J'ai besoin de 2G. 2G, j'ai 2G. T'as 2G? J'ai 2G. J'ai 2G, mais j'ai pas. En fait, je veux 2G, mais j'ai pas 2G. Moi j'en ai, vas-y. T'as 2G? T'as les sous? Moi j'ai 2G, t'as les sous? C'est combien? 140. 140? 70 le G. 70 le G? Oui, 70 le G. Ok. Vas-y, sors les sous là, on fait vite là. Ouais. Alors j'ai les sous, ils sont juste là. En fait, tu vois, rapide, discret, on se check et tu te casses. Ouais, ah ouais, regarde. Ils sont juste là, j'ai pas ton temps. Ils sont juste là, attends. Ouais, ils sont juste là, sors les. Attends. J'ai 40. Ouais, 40, je dis 140. Attends, ouais, 140. Hop. Moi j'ai les sous, t'as vu, regarde, ils sont juste là, 140. C'est bon, je me fais discret. Voilà, gardez-la. Juste avant, attends, je les range. Non, tu les ranges pas, tu me les donnes. Ah oui, c'est moi qui les range. Ouais, je vais te les donner, mais juste avant. Pourquoi tu fermes ta poche? En fait, regarde, frère, attends, viens voir. Moi, t'as vu, j'ai pris ça au cas où, on sait jamais. C'est quoi ça? Eat, drink, and smile, Mitch.
Pourquoi tu veux une balance ici? Fais-le discret, arrête de montrer comme ça. Je le fais discret. C'est juste, j'ai pris une balance avec moi. Mais pourquoi? Je veux peser la marchandise avant. Tu vas rien peser du tout. Juste pour boire. Moi, t'es cru où là? Je juste. Ouais, tu fais ton marchand, tu pèses, après tu dis, oh non, moi je négocie. Le tarot, il est déjà fait, tu rechappes. Arrête de m'énerver. Je t'énerve pas. Oh, je vais te fumer, toi. Tu me fais perdre mon temps depuis tout à l'heure. Normalement, la transaction, c'est en 5 secondes la transaction. Je fume pas, moi, frère. Ça va m'énerver, je vais me faire remarquer là, il y a grave de gens ici. Vas-y, passe, prends-moi ma balance. Je change ta balance, je vais peser. Tu pèseras pas. Si je pèse pas, je prends pas. Mais tu pèses pas, tu prends pas, casse-toi. Je me casse. Casse-toi. Je me prends pas. Casse-toi. Je me casse, hein, je prends pas, frère. Je prends pas, je te prends rien du tout. Comment ça vient, frère? Je peux peser, c'est bon? 2G140. 2G140? 140, vas-y. Ok, pas de négociation de tarot. Vas-y, passe-moi le. Vas-y, voilà, c'est bon. Laisse, touche pas. Décale-toi, frère. Arrête de secouer comme ça, ça coûte cher. Tu fais tomber 1 gramme, tu me payes le double. Ok, ok. Donc là, il n'y a que 1G là. T'as dû faire perdre la moitié au moins, tu vas payer les 2G là. Il n'y a qu'un G? Qu'est-ce que tu fais? 1G, regarde. Elle marche pas ta balance aussi. Comment ça, elle marche pas? Elle a fait tomber la moitié là, je suis sûr et certain. Mais j'aurais fait tomber du coup. Je me secoue à l'air comme ça là. Mais non. Vas-y, demande mes sous avant que je m'énerve, demande mes sous. Il n'y a qu'un G? Tu me donnes 140. J'achète 1G, pourquoi je vais te donner 140? Je te donne 1G. Mais c'est déjà 1G. Non, il y a 2G là-dedans. J'ai 2G chez moi, ils sont triés, les 1G sont là, les 2G sont là. Bon, tu m'embrouilles le cerveau, tu sais quoi, je vais te donner tes sous. Voilà, donne-moi mes sous, pour mon cul, je te crois plus ici. Comme ça, tu m'auras plus ici. Vas-y, donne-moi mes sous, on fait comme ça, on se faisait un check, mettez sous dans la main. Mais j'habite ici. Non, c'est pas grave, t'habites là, vas-y, ok, c'est cool. Donne-moi mes sous. Non, mais tu vas me revoir ici. On se reverra, c'est pas grave. On peut se revoir. Dépêche-toi, donne-moi mes sous. Vas-y, est-ce que je peux juste prendre ton contact si j'ai besoin de. À l'occasion. T'as déjà mon numéro, t'as mon pote qui t'a donné le numéro. Non, j'ai pas ton numéro. Numéro pas fou, là. Est-ce que je peux avoir juste le numéro? Numéro pas fou. À l'occasion. Y'a pas de numéro. À l'occasion, frère. Vas-y. Vas-y, je peux. Vas-y, note. Je peux noter. 06. Ouais. 22. Ok. Attends, je t'appelle, comme ça t'as mon numéro. C'est bon, tu l'as sur toi ton tel? Vas-y, fais discret. C'est bon, j'ai ton numéro. Non, c'est le répondeur, attends. C'est bon. Oh, gros fils de p. Oh, on a qui là? C'est le répondeur. Ah, mais c'est bon, derrière le répondeur, elle m'en prend de Non, j'ai confondu. Donne-moi le sou, casse-toi, donne-moi le sou. Oh, casse-toi, t'as rien à me donner ma marchandise parce que je vais te prendre, je vais te débarrasser. Oh! Arrête de parler au téléphone du sang. C'est trop discret. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de foutre ton gueule. J'ai juste un message, frère. Oh, frère. La p. frère. C'est de t'arracher les sous. Donne-moi. Attends, je laisse un message. C'est moi, c'est mon téléphone, je suis là. Arrête de t'énerver. Ça va bientôt couper. Laisse-moi 2 secondes. Attends. Oh frérot. À la vie de ma mère, tu donnes pas la cam, j'ai t'es mort. J'ai tout t'es mort, fils. C'est mort. C'est vas-y, tiens. 140, on l'a dit. Vas-y, voilà. Ok. C'est bon, vas-y. 140. Vas-y, check-moi comme si on était pas depuis longtemps, ça va et tout. Vas-y. Vas-y, maintenant, vas-y, casse-toi. Comment ça, casse-toi, frère? Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Partout, t'as pris ta. Il a mon patron, ta. Entre pas, frère. Mais elle est dans ta main à l'air comme ça là. Je te vois ici, je te fume. Non, vas-y, pars-toi. C'est bon. N'oublie pas d'employer la force. C'est bon, je m'en vais, frère, je m'en vais. C'est bon, je me barre. Ah, frérot. Tu fais quoi là? Si je te revois ici encore une fois, je te fume. Non, je veux t'en racheter. Ah, elle était bonne. Ouais, mais j'ai pas tout fini, mais j'ai goûté un peu. Regarde, cache ça là. Ouais, je cache. Oh, si tu me fais cramer, je te fume, toi. Non, vas-y, je veux t'en racheter. Donc, tu fais combien là? Frérot, c'est quoi le max que t'as? Moi, j'aimerais 10G. J'ai que 3G là. 3G? Moi, je capte pas trop là. 3G ici. Vas-y, on fait ça vite là. Vas-y, on refait ça vite. 3G, c'est 210? 3G, 210. Le calcul est vite fait. Arrête de bouger, ils vont nous cramer là. Passe. Je te fais. Tu vois, frérot, 1G, frère. Elle marche pas ta balance. Comment ça, elle marche pas? Regarde, elle marche pas. Faut bouger à la casser celle-là aussi. Mais si, ça marche, frère. Vas-y, y'a 3G, regarde, t'as 3G, maintenant tu me donnes les sous, et tu casses et tout. Vas-y, tu vas pas commencer à me faire galérer encore une fois là. Mais là, y'a marqué 15G sur la balance, c'est normal. Elle bug. Comment ça, elle bug? Gros chat, fais discret. Ouais, là, je fais discret. Donne-moi les sous, fais vite là, moi je suis démarre. Mais regarde! Vas-y, il y a des gens qui arrivent et tout là, bouge-moi.
Regarde frérot, c'est marqué 1G. Bon du coup l'équipe malheureusement à la fin de la vidéo il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous avez rien raté. Au final en fait je lui ai dit que j'étais pas intéressé pour lui en racheter. J'ai gardé ce qu'il m'avait vendu à la base, il a gardé les sous et je suis parti. Donc ensuite j'ai fait mes petites vérifications. En fait il s'avère bien que cette personne est un escroc. Vu qu'en fait ce qu'il m'a vendu était tout simplement de la farine, littéralement. Donc 140€ pour de la farine, ça fait un petit peu cher je trouve. Et c'est pour cela en fait que ce que je vous propose, c'est de retourner le voir et d'une part essayer de récupérer mes sous, mais aussi d'essayer de prendre sa sacoche. Bon, je vous cache pas que ça risque d'être un petit peu tendu, hein, mais je vais essayer. Donc c'est pour ça que je compte sur vous pour vraiment me donner un maximum de force. Je veux que vous me fassiez exploser cette vidéo et que vous me montrez que vous avez vraiment envie de voir cette suite. Et moi de mon côté, je vous promets que je vais faire tout mon possible pour essayer de retourner le voir. Maintenant j'ai son contact vu que j'ai pris son numéro de téléphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Peut-être pour la suite, qui sait. C'était Mikalash et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.